Et bonjour, bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors, je me marre parce que, bon, vous connaissez forcément cette voiture de Gran Turismo 2, hein. Et oui. J'en ai rien à foutre de perdre, mais ça me débranche tellement. Je sens que je vais le regretter. 1011 chevaux pour 980 kg en propulsion. Bon, j'ai fait 2-3 réglages pour on va dire essayer d'améliorer l'adhérence en virage. Que je dis, je sais que je vais le regretter, mais c'est tellement marrant. En plus, je tombe sur une porte comme ça. Oh merde. XJ220. J'ai pas les réglages qu'il faut, hein. Je suis pas un pro des réglages, donc je peux pas savoir quel réglage il faudrait mettre pour qu'elle tourne un peu mieux encore. C'est n'importe quoi cette voiture. Ah, des barres. Ça va, hein, 120, 140 en virage. Pour une voiture Brastère, ça va, c'est pas mal. Oh non. Mais non. Si celle-ci, je la gagne, bah bordel.
Oh, mais elles freinent pas. Je ne dis plus rien. On se demande pourquoi. Je m'en vais. Là, ce que je viens de faire, c'est un coup de bol monstrueux, c'est passé nickel. Pourquoi chercher faire facile quand on cherche compliqué? HKS, ça va très bien. C'est totalement possible hein, de faire une course avec celle-ci. Hein. Mais alors... Ah bonjour les dégâts. Hein. Ah, Run Circuit, ça va être un peu plus facile. Il y a juste 2-3 virages qui vont être compliqués, mais ça peut pas être plus compliqué que... que ce que je viens de faire. Quoique. Bah là ils sont morts hein, par contre.
Conseil, utilisez le frein à main pour la foutre en neutre. Elle freine mieux. Incroyable. Et le pire, c'est que même la IA arrive à les rattraper quand j'ai terminé la course. C'est pour vous dire, les réglages, quoi, ils sont pas mauvais, quoi. Mais je suis sûr qu'il y a des réglages qui permettent à la voiture de tourner encore mieux. Mais bon, on peut pas faire grand-chose avec une voiture brassière. Hein. À part aller en ligne droite. Bon, le même circuit qu'au début, sûrement dans le sens inverse, donc ça peut être différent. Ouais, non, je vais gagner. Vu la longueur de la ligne droite. Pas de problème à signaler. Ouais.
c'est un problème. Bon, si je me débrouille bien, ça va passer possiblement sans trop de problèmes. Mais il y a le mais. C'est un circuit avec que des virages serrés. Je l'avais oublié celui-là. Ouais, mais il y a une ligne droite. Pas suffisant. Bon, bah là, faut que je gagne au skill. Si vous prenez là où moi j'accélère, vous allez avoir des problèmes. Hein. Là, faut pas se faire avoir, faut freiner. Hein. Ok. J'ai cru que ça allait pas passer. Et ben je me suis trompé. Bing.
Eh ben écoutez, sur ce, bah ça se sera pas trop mal passé finalement. Eh ben on va se laisser là-dessus. Eh ben allez, sur ce, à plus. Et finalement, bah elle est pas si mauvaise que ça en fait en virage. Ha ha.